C'est gentil. Tiens, Ludivine Furnon, voilà. Celle qui nous avait enthousiasmé au championnat du monde en obtenant une belle médaille de bronze. Alors, il la suit aussi très près, la petite Ludivine. Hein. Oui, ouais. Elle a beaucoup de peps. Hein. Regardez. Double arrière-tendue. Ah, ça, il faut l'envoyer. C'est une petite bombe. C'est une bombe, elle. Et une bonne musique hein, pour vous apprécier, hein, je pense. C'est un autre style de musique, mais oui, on est très éclectique dans la musique, donc ça va, on aime bien. Regardez ces diagonales. Wow, tempo double vrille et demi. Eh oui. Elle est très tonique. Hein. Oh. C'est... Oui, avant, percuté, seul poivre en quartier. Elle a un tenu, c'est incroyable. Bien soutenu par le public. Ah oui, oui. Attention, la fin sera décisive. Double carpé. Bravo. Ovation. Et bien joué, Lulu. Ah, Ludivine Furnon, effectivement, répond à l'attente du public de Nantes. Quelle pêche. Double tendu. Avant percuter. Ça, c'est de l'entrée de jeu. Hein. Ça, c'est extrêmement difficile à coordonner. La grande gymnastique. Il y a tout, là. Il y a la motivation, il y a la technique, il y a la classe, hein. Ah oui. Et ça s'apprend pas toujours. Il y a beaucoup de travail derrière, bien sûr, mais il faut aussi un petit sens inné, une aptitude particulière. Ce qu'on appelle le talent, c'est ça, c'est... Eh oui. Et puis, pendant 1 minute 10, il faut pas se relâcher dans ce genre d'exercice. C'est vrai que enchaîner les acrobaties, garder le rythme de la musique, tout cela fait qu'on fait un très bon sol. Hein. Elle est très bonne. Mais il n'était pas question de mettre de la musique pour les masculins aussi. Ah, c'est la grande question. Il en a été question il y a une huitaine d'années en arrière, mais ça ne s'est jamais fait pour des raisons d'organisation de compétition, puisque le chevauchement des musiques entre les garçons et les filles serait parfois difficile.